Bon, j'ai lancé. Hein. Ok, nous sommes en live. Vraiment, je souhaite vraiment une chaleureuse et cordiale bienvenue, comme chaque semaine, à cette conférence digitale vraiment d'une importance capitale. Nous allons parler des thèmes vraiment qui peuvent changer la vie de ceux qui aimeraient se lancer en ligne ou bien de ceux qui ont déjà une activité. Donc, nous allons parler notamment aujourd'hui des thèmes vraiment très, très importants parce que beaucoup aimeraient, par exemple, créer une activité digitale, mais ne savent pas quelles sont les étapes exactement qu'il faut suivre. Donc, nous allons parler étape par étape, comment vous pouvez, n'est-ce pas, créer une agence digitale vraiment à 5, 6, 7 chiffres. Donc, restez jusqu'à la fin. Nous allons parler surtout aussi d'un argument très, très utile. La réussite d'une activité découle aussi d'une étude de marché bien faite. Donc, un expert vraiment va vous expliquer vraiment comment vous pouvez faire une étude de marché vraiment digitale dans ce sens-là. Nous allons parler également des différents, nous allons parler de chiffres, non? Comme la semaine dernière, nous allons parler de chiffres. Donc, nous allons vous montrer quels sont les services digitaux que vous pouvez lancer après, n'est-ce pas, une formation digitale comme celle que vous faites à la ABA et qu'est-ce que vous pouvez gagner avec. Donc, nous allons voir, prenez vos calculatrices, préparez vos calculatrices comme la dernière fois. Nous allons calculer ensemble, n'est-ce pas, ce que vous pouvez gagner, n'est-ce pas, dans le digital. Vous allez être vraiment surpris. Et également, nous allons voir comment assurer. Là, nous allons parler de quelque chose vraiment d'expert, de professionnel, parce que nous allons parler d'une méthode qui a permis vraiment à plusieurs startups dans le monde et en Europe de pouvoir vraiment s'en sortir. On parle de la méthode ART. Donc, là aussi, un expert s'est très bien préparé. Nous allons vous montrer en exclusivité une vidéo de notre plateforme. Hein. De formation où nous allons voir exactement qu'est-ce que c'est que la méthode ART, en quoi ça consiste et surtout quelle est l'utilité pour votre activité, surtout pour ceux qui ont déjà une activité actuellement. Nous allons voir vers la fin aussi les erreurs que vous pouvez éviter lorsque vous vous lancez, n'est-ce pas, en ligne, dans le digital. À la fin, nous allons voir le témoignage même de quelqu'un qui a déjà testé nos formations et ce qu'il en pense. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin, ne manquez pas parce que chaque chose que nous allons voir ici peut changer. J'ai oublié, hein, nous allons voir aussi la pratique, comment on va vous donner un cadeau de comment vous pouvez scraper les données des contacts qui peuvent déjà vous aider dès la fin de cette conférence. Donc, restez jusqu'à la fin. Déjà, dites-nous si vous écoutez bien. Donnez-nous de 1 à 10, qu'est-ce que vous écoutez? C'est bon, 10 sur 10, vous nous mettez dans les commentaires. Donc, notez dans les commentaires, est-ce que vous écoutez bien 10 sur 10, vous écrivez. Comme ça, on peut avancer. Donc, est-ce que le son est bon? Mettez 10 sur 10 là, comme ça, là, de 1 à 10. Comment est le son chez vous? Donc, notez dans les commentaires, comment est le son chez vous? Donc, pendant que vous notez, je vais directement introduire mon frère ou bien mon collègue avec qui nous allons présenter, n'est-ce pas, cette conférence. C'est le collègue Russell. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est vrai que beaucoup demandent que vous, c'est qui d'abord? Qui vous êtes? Certains aimeraient savoir, même si ils ont peut-être déjà entendu. Il y a beaucoup de nouveaux qui sont présents pour ce direct. Ils aimeraient justement savoir à qui est-ce qu'ils ont affaire. Très bien, tu as bien fait, vraiment. Merci déjà de me rappeler ça. Ça demande, vous me connaissez déjà, mais je me nomme Emmanuel, je vis à Milan. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le marketing. Jusqu'en janvier, j'étais le responsable d'une agence vraiment importante ici, qui est la Ecoweb. On s'occupait de, n'est-ce pas, de suivre les entreprises n'est-ce pas, la création de leur stratégie digitale. Et c'est ce que nous allons vous enseigner. Donc, tout ce que nous allons vous enseigner ici sont des choses que nous-mêmes, on a testées. On va vous parler des chiffres, des choses, des contrats que nous-mêmes, nous avons testés. Donc, c'est un peu ça. Je te passe donc la parole pour te présenter toi aussi, Russell. Merci beaucoup. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Russell Wangui. Je suis expert dans le domaine des stratégies de marketing digital. Je suis titulaire en marketing management, marketing classique d'un côté, comme on a souvent l'habitude de le dire, et aussi diplômé dans le domaine du marketing digital. J'ai en quelque sorte mon actif pratiquement près de 9 années d'expérience dans le domaine du marketing. J'ai travaillé en tant que responsable marketing commercial pour de nombreuses entreprises de la place. Et j'ai aussi travaillé en freelance pendant pratiquement une année en tant que CM, Community Manager, pour le compte d'une entreprise en France qui était une agence de communication où on a travaillé dans de nombreux projets
aidant ici de nombreuses entreprises à pouvoir obtenir davantage de visibilité et même de notoriété dans le monde digital. Donc aujourd'hui, en fait, on a créé pratiquement notre propre agence de marketing digital, Africa Business Automation, et aussi, la plus importante, un centre de formation en ligne spécialisé qui aide nombreuses personnes et aussi à devenir des experts pour ce qui est du marketing digital, Africa Builderall Academy. Et en fait, j'ai le privilège de pouvoir être non seulement coach, mais également formateur de ces nombreux candidats qui aujourd'hui se sont lancés au travers du digital et qui obtiennent de nombreux résultats. Donc voilà en gros de façon très simple hein, qui est en face de vous en ce moment. Donc c'est sûr que si Merci. vous êtes connecté, que vous avez de l'expérience ou pas en matière de vos débuts, vous aimeriez certainement savoir comment vous aussi vous pouvez parvenir ainsi à créer votre propre agence de marketing digital. Donc, c'est certainement ça le thème qui vous a amené à pouvoir écouter ce direct ou encore pour ceux qui vont écouter la rediffusion sur la chaîne de Manu Emmanuel, cette chaîne YouTube. Donc, on aimerait vraiment savoir si vous êtes déjà prêt, si vous êtes concentré. Essayez de nous faire savoir en commentaire quelle est aussi votre situation, votre métier que vous faites en ce moment. Et sur une échelle de 1 à 20, en quoi est-ce que ce thème sera d'une importance particulière pour vous? Donc, sans plus tarder, s'il te plaît, Coach Emmanuel, aide-nous à savoir quelles sont les différentes étapes, vraiment de façon simple, de façon progressive, pour n'importe quel débutant qui puisse garder ça présent à l'esprit, ces différentes étapes qui peuvent le permettre lui aussi de créer sa propre agence de marketing digital. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment dans les commentaires. Cette conférence a été faite pour vous, donc notez les questions, tout ce que chaque fois on va vous demander de vraiment de mentionner votre profession, de noter. Donc, n'hésitez pas d'être vraiment, plus vous êtes actif, plus vous posez les questions, plus nous serons, n'est-ce pas, prêts pour pouvoir vous donner des réponses et vous aider surtout parce que vous avez pris votre temps vraiment pour suivre cette conférence. Alors, ce que nous allons vous montrer vraiment, vraiment capital, ça, c'est vraiment le processus que toutes les grandes agences vraiment dans le monde à succès, normalement, suivent, si vous voulez vraiment chiffrer à 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, vraiment votre agence digitale. Donc, suivez exactement ces étapes-là. Vous allez voir que vous allez vous en sortir. Lorsqu'on parle des étapes, on parle de normalement la formation professionnelle. On va parler de la typologie d'agence. On va parler des choix de la niche qui est vraiment important. On va parler de la prospection, on va parler du meeting, on va parler du closing, on va parler de l'onboarding. C'est quoi? Allons voir. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de d'abord d'ouvrir votre agence, de regarder la formation professionnelle. C'est vraiment important. La formation que vous devez choisir doit être une formation complète, brève, pratique et surtout avec accompagnement. Lorsqu'on parle de formation complète, on parle de formation avec algorithme, advertising marketing, content marketing, growth hacking, prospection, closing, parce que vous ne pouvez pas créer une agence et aller avoir une agence incomplète, c'est pas normal. Donc, vous devez connaître par exemple quelle est la psychologie qui se trouve derrière, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, connaître comment faire de la publicité, n'est-ce pas, pour vos clients, connaître la création du contenu, qui est le contenu est vraiment roi, connaître comment créer le contenu. Parler du growth hacking, qui est les techniques de marketing du futur, toutes ces techniques-là que nous vous enseignons, n'est-ce pas, dans notre académie, la ABA. Parler également de la prospection, du closing. Dans tous les cas, nous allons revenir sur ces thèmes-là. Donc, vous devez regarder une formation qui aborde au moins, au minimum, au moins 6 ou 7, n'est-ce pas, de ces modules que vous avez devant vous pour être vraiment une agence, une formation vraiment complète. Nous allons aussi, parce que malheureusement, beaucoup vont payer, disons comme ça, 50 000 ici, 100 000 dans les formations, ils se retrouvent après 2 ans toujours au même niveau parce qu'ils ne veulent pas faire une formation complète qui va leur donner, n'est-ce pas, tous les outils nécessaires pour pouvoir s'en sortir. J'espère que, je pense que ce n'est pas votre cas, vous souhaitez vraiment vous lancer et commencer directement votre activité, c'est ce que nous vous proposons. Une formation brève, pourquoi? Parce que plus de 80%, et ça c'est par expérience, c'est les études qui le montrent, n'achève pas les formations. Beaucoup commencent les formations, ils abandonnent. Pourquoi? C'est parce que c'est très long, 3 formations, trop, trop long. Si vous travaillez, vous avez la famille, vous avez beaucoup d'engagement, c'est difficile de pouvoir vous en sortir. C'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, mis sur pied une formation très, très brève, maximum 1 mois, 1 mois et demi, aussi parce que vous devez commencer à rentabiliser, non? Parce que vous avez dépensé pour commencer la formation, vous devez commencer à rentabiliser. Donc, vous devez trouver une formation qui, en peu de temps, a réussi vraiment à vous mettre les ingrédients, les éléments vraiment nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Aussi, la pratique, c'est très, très nécessaire. Vous allez voir des formations où ce n'est que la théorie, théorie, théorie. Chez nous, 95% de pratique. Vous avez, quand vous payez, vous êtes directement dans la plateforme et nous, on se retrouve directement
juste pour faire des pratiques. Je ne sais pas si Russell aura l'occasion de vous montrer juste un cas rapidement, une pratique après, d'un exercice que nous faisons. Ce sont des cas réels de nos clients. Nous allons y revenir tout à l'heure. L'accompagnement. Vraiment, nous avons 8 heures d'accompagnement que nous offrons vraiment à nos étudiants. Vous allez voir que la plupart des formateurs dans leur formation, dans leur programme de formation, ils vous mettent la formation, mais l'accompagnement, le suivi, c'est ce qui manque. Parce que c'est la partie la plus difficile pour les formateurs. Pourtant, c'est la partie la plus importante pour les étudiants. Parce que c'est pendant, n'est-ce pas, l'accompagnement que petit à petit, on vous aide à mettre, à matérialiser vos projets. Nous, on dédie le temps. Vous allez voir même un exemple tout à l'heure avec un témoignage de nos étudiants qui va vous montrer comment nous sommes vraiment dédiés, même le week-end souvent, même la nuit souvent, même vraiment nous sommes toujours là à répondre aux questions, n'est-ce pas, de nos étudiants. Et aussi, il faut voir la facilité, le support pour, n'est-ce pas, le suivi. Pour le suivi, on vous donne par exemple tout. On donne les PowerPoint, les PDF, les liens. Vraiment, on vous donne tout ce dont vous pouvez imaginer pour pouvoir créer votre agence digitale. Donc, vous devez regarder dans les formations. Est-ce que vous avez des supports pour les résumés des formations? Est-ce que nous, on vous donne, par exemple, jusqu'aux réponses aux objections, je vous dis. Donc, vous avez vraiment tout le nécessaire, vraiment, pour pouvoir créer une agence digitale. Cela va vous permettre, quand vous prenez une formation incomplète, vous allez vous retrouver là, à perdre le temps, de l'argent, de la frustration, et abandonner le digital en pensant que le digital ne fonctionne pas. Pourtant, c'est le meilleur modèle de business actuellement. Donc, faites attention vraiment au modèle de formation que vous allez choisir. Déjà, dites-moi dans les commentaires, de 1 à 10, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ces éléments de la formation? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment essentiel le fait de choisir une formation complète, bref, pratique, avec l'accompagnement? Vous êtes d'accord avec cela? Donc, dites-nous de 1 à 10, qu'est-ce que vous en pensez? Russell, regarde un peu les commentaires hein, pendant que je vous présente. Dites-moi ce que les gens en pensent vraiment au fur et à mesure dans les commentaires. Donc, c'est votre formation, c'est votre conférence. Donc, n'hésitez pas à interagir. La deuxième chose, c'est également à tenir en compte, c'est la typologie d'agence. Qu'est-ce que vous allez choisir comme agence? Est-ce que c'est une agence 360? Est-ce que c'est un paid media? 360, ça veut dire qu'une agence qui va couvrir tous les services. Ou bien c'est une agence paid media? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est un chatbot messenger? Une agence chatbot messenger qui va vendre. Je vais vous montrer combien vous pouvez gagner avec tous ces services-là. Hein. Tunnel de vente qui est recherché par beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Vidéo éditeur ou bien community manager, growth hacking. Est-ce que c'est vous voulez créer une agence dans seulement spécifique ou bien vous voulez créer une agence 360 qui va couvrir tout, c'est-à-dire qui va offrir tous ces services-là. Donc, déjà, ça, c'est la deuxième étape très importante. Prochaine étape, le choix de la niche, ici c'est capital. Vous ratez le choix de votre niche, vous allez vraiment vous retrouver avec beaucoup de frustration. Quand on parle de niche, on vous conseille dans nos formations de choisir des niches high ticket, c'est-à-dire dans quel segment de marché je vais me vraiment positionner. Est-ce que je vais prendre, par exemple, des chirurgiens, des dentistes, agences immobilières, des coachs, des centres esthétiques, des centres de formation. Pourquoi nous vous conseillons ces niches high ticket, c'est-à-dire les niches de haute valeur? Déjà parce que le montant du contrat est très élevé. Vous allez vous retrouver avec des contrats de 500 000 francs, de c'est pas 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, c'est-à-dire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions en France, par client, par mois. Ce sont ça c'est possible hein, vraiment depuis l'Afrique de signer ce genre de contrats de SMMA. Vous comprenez? C'est parce que ce sont des services quand même qui ont une certaine valeur, qui vendent des services d'un certain niveau. Deuxièmement, la durée du contrat. Je pense que vous ne créez pas votre agence pour 1 mois, 2 mois. Vous créez une agence pour longtemps parce que vous avez une famille. Vous devez prendre soin de votre famille. Vous avez besoin de salaire, des entrées chaque mois. Donc, vous devez prendre, n'est-ce pas, une niche qui va vous permettre de signer des contrats d'au moins 1 an. C'est pour ça que les niches high ticket sont vraiment essentielles. Aussi, les résultats. Vous allez, cette niche-là va vous permettre d'apporter les résultats. Parce que si tu n'apportes pas les résultats à ton client va te faire finir le contrat et tu ne vas pas avancer. Donc, il faut regarder aussi la facilité d'apporter le résultat au client. Donc, c'est vraiment essentiel. Par la suite, la prospection. Aussi, ici, on va faire une différence. Beaucoup aujourd'hui restent encore avec les prospections archaïques, porte à porte, rester avec des amis ou bien prospecter des amis, les familles, les cotisations et tout. C'est pas mal, mais vous n'allez jamais scaler votre activité, vous n'allez jamais faire passer votre activité à un niveau. Par contre, aujourd'hui, ce que nous vous proposons dans les formations, vu qu'on parle de digital, de prospection digitale et moderne, on parle de Loom dans nos formations, l'email marketing, on parle d'automatisation, on parle des techniques de coworking qui vont permettre de gagner des gros clients
et assurer surtout la signature de vos contrats. Très, très, très important. Sinon, si vous restez encore avec des prospections archaïques, vous n'allez pas vous en sortir. Aussi, c'est important, une autre étape très importante, c'est quoi? Ce sont des meetings. Quand on parle de meeting, une fois que vous avez prospecté, vous devez vous retrouver par la suite dans les meetings, dans les réunions, pour exactement présenter votre stratégie. Comment se préparer? Quelles sont les questions que vous devez poser à votre client? Comment faire un audit stratégique à votre client? Comment faire de benchmark, c'est-à-dire que n'est-ce pas l'analyse de la concurrence? Comment faire sa proposition, n'est-ce pas, au client? Ici, chez nous, chez la AB, Africa Builder Academy, on vous donne vraiment toutes ces réponses-là. On vous donne les PowerPoints déjà prêts qui vont vous faciliter la tâche lorsque vous êtes avec le client. Réponse aux objections. Les devis déjà sont prêts. De telle manière, quand vous finissez la formation, on vous donne tous. Vous allez voir, nous avons les clients, nous avons un témoignage là qui va vous certifier cela. Donc, lorsque vous finissez la formation chez nous, vous avez tous ces documents, vous n'avez plus à vous préoccuper. L'idée, vous, maintenant, c'est de fixer le prix que vous devez donner pour vos services, parce que nous avons donné tous les éléments dont nous avons donné, montré précédemment. Aussi, comme dernière phase, closing, onboarding, j'ai signé avec le contrat avec le client, qu'est-ce que je fais par la suite? Vous savez que c'est une étape très compliquée. Deux fois, tu signes, tu as le contrat, tu as l'argent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que je dois demander au client? Et ça peut vraiment te mettre en panique, non, tu ne sais pas, et ça peut vraiment te perturber. Là aussi, on te montre comment faciliter l'onboarding, c'est-à-dire comment entrer avec le client, en bonne relation avec le client, une fois que tu as signé le contrat. Qu'est-ce que je dois faire? Les prochaines étapes? Quelles sont les informations que tu dois demander? Vraiment, on vous donne la totale après notre formation. Ça, c'est juste brièvement. Hein. Dans nos formations, nous allons détailler tous ces éléments et vraiment vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer une agence digitale de succès. Qu'est-ce que vous en pensez de ces étapes-là? Juste pour se résumer, c'est-à-dire que formation professionnelle, on vous a montré pourquoi c'est important. Une formation complète, brève, pratique, vous avez vu avec accompagnement. On a parlé de la typologie d'agence. Est-ce que c'est 360 ou bien vous allez choisir juste une typologie? Est-ce que le choix de la niche, pourquoi choisir les niches high ticket de haute valeur? Nous avons compris le pourquoi. Nous avons vu également la prospection. Pourquoi ne plus utiliser des prospections archaïques, mais des prospections modernes et digitales qui vont vous assurer le succès? Nous avons parlé du meeting. Comment organiser le meeting? Quelles sont les questions? Comment se préparer? Comment avoir les réponses aux objections de vos clients? On vous a montré. Closing plus onboarding. Comment faciliter l'onboarding? Une fois que j'ai signé, qu'est-ce que je dois demander au client pour vraiment commencer rapidement à travailler? Donc, ce sont des étapes vraiment pour créer une agence digitale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces étapes-là? Dites-nous dans les commentaires et vraiment ce que vous en pensez de 1 à 10. Est-ce que ce sont des étapes que vous pensez qui peuvent vraiment vous apporter des résultats? Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, ça, c'était une partie. Beaucoup demandent aussi. Hein, beaucoup nous ont posé comme question, comment faire une étude de marché digital? Je pense que Russell, je ne sais pas si tu peux apporter la réponse à cette question-là, parce que l'étude de marché est vraiment, vraiment essentielle. Alors, cette question est vraiment pertinente. Comment faire une étude de marché sur digital? Donc, je te laisse la parole. OK, merci beaucoup hein, de me donner cette opportunité de pouvoir expliquer ce concept qui est très peu connu aujourd'hui relatif à l'étude de marché. Beaucoup en fait connaissent la phase classique de l'étude de marché courante qui existe en ce qui concerne le marketing traditionnel. Or, l'étude de marché est négligée par beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer un business ou alors une activité, sans faut oublier que c'est en fait la partie la plus importante de la mise sur pied de son activité. Lorsqu'on parle d'études de marché, on va ensemble dans cette partie voir comment, de façon pratique, de façon simple, au travers du digital, vous pouvez utiliser des outils simples pour pouvoir faire votre étude de marché. Là, il ne s'agit pas de débutants, hein, même si vous êtes débutant, mais quand même, vous devez avoir une certaine connaissance, une certaine notion quant à l'utilisation des outils qu'on va partager avec vous. Déjà, pour nous permettre en fait de savoir quelle est la situation des personnes qui écoutent ce live en ce moment, des personnes qui sont connectées, venez nous faire savoir en commentaire, même aussi en termes de questions, sur la partie relative à l'étude de marché. Donc, très rapidement, je vais partager avec moi, avec vous, mon écran pour ce PowerPoint qui a été conçu. Et ensemble, on verra de façon pratique comment vous pourrez ainsi parvenir
à faire une étude de marché vraiment spécifique, adaptée à vos besoins en ce qui concerne le digital. Alors, si vous voyez mon écran, merci de savoir que vous voyez mon écran. Ok, c'est bon, hein? D'accord, super. Alors, comment faire une étude de marché sur le digital? C'est ça la question qui nous préoccupe au plus haut point en ce moment. Alors, c'est quoi déjà une étude de marché? L'étude de marché, quant à elle, consiste à recueillir des informations, à les analyser, à identifier les caractéristiques et même les enjeux d'un marché. En fait, l'étude de marché s'intéresse aux différentes composantes du marché, notamment la demande, l'offre, la concurrence et les produits, les circuits de distribution, l'environnement et même les tendances du marché. Ce n'est pas ça qui nous intéresse parce que ça, c'est la partie théorique. Vous pouvez avoir toutes ces informations simplement en tapant sur Google. Ce qui est le plus important, c'est de savoir comment faire l'étude de marché sur le digital. On examine l'offre, on examine la demande. Voilà en gros en quoi consiste faire une étude de marché, principalement lorsqu'on veut lancer une activité. L'important de savoir si elle va être rentable ou pas. Alors, voici quatre parties principales que constitue une étude de marché ou alors qu'une étude de marché doit absolument comprendre. Premier élément, c'est le marché. Alors, très souvent, il faut un peu lever l'équivoque, hein, parlant du marché, de la définition qui existe sur le plan économique et la définition sur le plan marketing. Certains, lorsqu'on parle du marché, vont penser directement au lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors, marketing, ce n'est pas le cas lorsqu'on parle du marché. Il s'agit plutôt des personnes aux mêmes caractéristiques identiques. Donc, dans cette partie, vous allez déterminer en quelque sorte le marché et même son périmètre, notamment les caractéristiques, sa taille, son évolution, les tendances, les segments et même les composants. Est-ce que c'est un marché en pleine évolution, en pleine croissance, ou alors c'est un marché qui est sur la phase de déclin? C'est un marché qui a atteint une forme de maturation, ou alors dans quel marché je veux me lancer? Dans quel secteur d'activité est-ce que je veux me lancer? Quelle est cette tendance-là en matière d'évolution? Quel est même le coût de pénétration sur le marché? Est-ce qu'il y a des barrières, des restrictions? Est-ce qu'il faut obligatoirement certaines réglementations? Voilà en fait ce que vous devez savoir relatif à la première étape de votre étude en ce qui concerne l'étude du marché. La deuxième partie consiste à la demande. Là, il s'agit de décrire les caractéristiques de votre demande. L'âge, le sexe, le lieu d'habitation, le style de vie, le revenu, les motivations d'achat, les freins à l'achat, la période et même la fréquence d'achat, les attentes et même les besoins. Il est conseillé de classifier les consommateurs en différents segments homogènes, c'est-à-dire les personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Certains, lors du début de leur activité, cherchent à toucher tout le monde à la fois. En fait, généralement, si vous cherchez à toucher tout le monde, vous ne vendez à personne. Il est important de clairement définir quel est le cœur de votre cible. Quelles sont les caractéristiques dominantes des personnes que vous cherchez à atteindre? On va peut-être les classer en plusieurs paramètres, les caractéristiques sociodémographiques et bien d'autres encore. Mais là, on est sur le digital. Comment on pourra faire pour pouvoir classifier ces différents éléments? On parle souvent de la conception de son avatar, du buyer persona. C'est-à-dire en quelque sorte un avatar que vous avez conçu qui a toutes les différentes caractéristiques qui correspondent au style de client que vous aimeriez toucher. Exemple simple. Vous vendez par exemple des produits en amincissant. Est-ce que par exemple c'est un produit tangible? Est-ce que c'est un appareil? Est-ce que c'est un produit qu'il va falloir consommer, notamment avalé, est-ce que c'est un produit relatif à la santé, etc. Est-ce que c'est du sport? Oui, vous définissez clairement votre produit. Au même moment, avec toutes ces différentes informations, ça vous permet exactement de savoir quelles sont les différentes personnes qui peuvent ainsi être intéressées. Alors, sur le digital, voici un exemple pour ceux qui prennent des notes. Mike, my person. On va examiner ensemble de façon pratique comment vous pourrez ainsi analyser notamment cet outil-là. On va faire ensemble des exercices simples
Et en fin de compte, nous tous, on saura comment on peut utiliser cet outil le plus efficacement possible. On a dit, c'est Mike, My Persona. Vous allez sur Google, vous tapez Mike, My Persona. Vous appuyez sur Ancrer. Vous allez certainement arriver sur cette plateforme-ci. Notre objectif, on l'a dit, c'est de savoir comment faire une étude de marché sur le digital. Cet outil vous aide ainsi à construire votre avatar, votre buyer persona, c'est-à-dire un individu qui a les mêmes caractéristiques que ceux que vous cherchez à toucher. Alors, sur une échelle de 1 à 10, nous, on aimerait savoir, peut-être si vous avez déjà utilisé cet outil, comment vous l'avez trouvé? Ou alors, si vous n'avez pas encore utilisé, prêtez particulièrement attention à cette partie. Et à la fin de l'explication, on aimerait certainement savoir votre impression. Si vous suivez ce live, n'hésitez pas hein, de mettre un like si vous aimez ou alors si ce qui est dit vous intéresse. Là également, ça va nous permettre de savoir sur quel levier on pourra accentuer. Si vous avez même des questions qui viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On réservera certainement une partie pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Alors, on l'a dit, c'est un outil de création de personnes. Vous voulez créer un buyer persona que par exemple des équipes de marketing, de vente et de services qui ont de votre entreprise pourront utiliser pour optimiser leur performance. En quoi est-ce que ça va être important? Vous allez lancer la publicité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Google Ads, tels que YouTube et bien d'autres encore. Vous aurez certainement besoin de certaines informations. Quel est l'âge, par exemple, de mon avatar, de mon buyer persona? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui lui fait peur? En fait, cet outil vous permet de pouvoir créer votre buyer persona. Allons-y ensemble. On veut créer notre buyer persona. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On a dit, par exemple, c'est un produit amincissant, que les femmes, généralement, ce sont elles qui sont principalement concernées par ce type de produit. Comment on va, par exemple, appeler notamment notre avatar? Juste un nom simple comme ça que je vais pouvoir donner. Comment on va dire? On va dire par exemple Leslie. Voilà, un nom simple. Alors, je choisis n'importe quelle image correspondant à l'avatar. Je peux prendre cette image ici. Okay. Donc, on va passer ainsi à l'étape suivante. Mon avatar est à quel âge? Mon produit en 1600 là. Ça concerne les femmes, c'est vrai. Les femmes situées entre quel et quel âge? Bon, je pense que les femmes sont situées entre 25 à 34 ans. On va essayer de définir 25 à 34 ans. Voilà par exemple la tranche d'âge des personnes qui prêtent particulièrement attention à leur corps pour éviter notamment l'obésité. Alors, quel est le plus haut niveau d'études du personnel? Bon, on va laisser inférieur au baccalauréat. Voilà. Ou alors, on pourra évoluer baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat. Parce qu'aujourd'hui, l'instruction est d'une importance capitale et on dénombre en quelque sorte de nombreuses personnes qui ont déjà quand même obtenu ce diplôme. Le baccalauréat. Alors, on va sélectionner maintenant une autre option ici. Quel est le secteur d'activité? Alors, est-ce que c'est la vente? Non. Est-ce que c'est la comptabilité? Non. Est-ce que c'est l'investissement? Non. Est-ce que c'est le commerce? Non. La publicité? Non. C'est quel style de produit? Alors, vous vous rappelez certainement, c'est un produit amincissant relatif dans le domaine de la santé. Les gens veulent travailler en quelque sorte leur obésité. Alors, quelle est la taille de l'entreprise? Alors, certainement, votre entreprise à quelle taille? Vous allez remplir ce paramètre-ci. On va par exemple le laisser sur travailleur ou indépendant. On va passer à l'étape suivante. C'est toujours pour le bail personnel. Alors, on va maintenant indiquer l'intitulé de poste. Les personnes qui veulent acheter en quelque sorte ce produit en insistant. Si ça peut être quel genre de personnes? Est-ce que ce sont des cadres? Est-ce que ce sont des directrices? Est-ce que ce sont des assistantes, par exemple, assistantes de direction? Parce que apporte une importance particulière à le corps. On va prendre l'instant de direction. Alors, on va préciser les différents indicateurs de performance utilisés. Est-ce que, par exemple, comment on va dire ça? Est-ce que ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des revenus générés? Est-ce la productivité de l'équipe? Quels sont les différents indicateurs de performance qui permettra de savoir, par exemple, que là, je suis en train de performer au niveau de mon avatar? Je vais prendre par exemple l'aspect relatif au prospect. Alors, qui est le supérieur hiérarchique du buyer persona? C'est un directeur. Assistant de direction, son supérieur hiérarchique, ce sont les directeurs. Je vais passer à l'étape suivante. Pourquoi ces informations sont importantes? Rappelez-vous, c'est extrêmement important parce que lorsque vous allez pouvoir lancer la publicité professionnelle, pour ceux qui lancent souvent la publicité professionnelle, toutes ces différentes informations, vous en aurez besoin. Par exemple, vous allez définir certains critères au niveau de l'audience
Et c'est là où cette étape-ci va vous aider. Vous allez définir, par exemple, les critères relatifs à l'âge et bien d'autres éléments encore, comme par exemple les grands défis que la personne pourra relever. On demande d'ajouter les détails relatifs au poste occupé. Quel détail on va, par exemple, ajouter en matière de revenus, que le revenu quand même de la personne soit consistant. Bon, maintenant, quels sont les plus grands défis que la personne peut relever? Motivation des salariés, communication interne, la gestion des changements, ou alors la gestion des projets et organisations, développement professionnel. On va mettre en évidence le développement professionnel et on va remplir la prochaine case relative à la résolution des problèmes et les prises de décision. On va par exemple mettre ici en évidence les détails relatifs au poste occupé. On va dire par exemple service administratif. Ça, c'est vraiment, vous avez fourni autant d'informations hein, pour cette partie-ci. Plus vous mettez les différentes informations, plus ça vous aide à savoir avec précision quel genre de personne vous êtes en train de vouloir toucher. Alors, quelles sont ses responsabilités? Par exemple, la responsabilité en tant qu'assistant de direction du secrétaire, gérer les différents dossiers du patron. Ça, c'est juste un exemple qui a été fait à la va-vite. Vous avez constaté, c'est indirect. Donc, vous allez en quelque sorte définir ça de façon précise en fonction de vos différentes caractéristiques. Alors, voilà que d'autres informations relatives au groupe de travail. Est-ce qu'elle gère les logiciels de reporting? Oui. Est-ce que le logiciel de traitement de test? Oui. Alors, où c'est votre réponse ici? On a répondu à tous les différents éléments. Précisez les moyens de communication préférés par les utilisateurs ou d'autres outils d'entreprise. Bon, elle utilise par exemple Facebook et l'email aussi. On sait que c'est généralement ces différentes choses. Alors, quels sont les ressources qu'elle utilise? Aux sources ajouter des informations relatives aux sources d'informations utilisées, Facebook. Et puis, on va choisir aussi LinkedIn. Pour ne citer que cela. On a dit c'est un exemple. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a conçu notre bio persona, notre avatar. Remarquez toutes les différentes caractéristiques. Là, j'ai plus besoin de réfléchir. J'ai ça sous la main et je peux simplement télécharger mon avatar qui pourra me permettre de savoir quel genre de client, quel genre de personne je pourrais cibler et c'est cette différente personne qui est intéressée par le produit. Ouais, très intéressant. On aimerait savoir aussi hein, quelles sont vos impressions. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Est-ce que vous avez aimé l'outil? Est-ce que vous connaissez l'outil par le passé? Si oui, donnez-nous vos détails en ce qui concerne cet outil. Il faut également rappeler que dans nos différents coachings avec nos candidats inscrits à la formation, on les aide de façon pratique à réaliser leur projet, que ce soit la création de leur propre agence de marketing digital ou alors d'autres doivent certainement faire des études de marché. On les aide à pouvoir structurer leur étude de marché, à pouvoir bien définir leur projet pour qu'ils ne puissent pas avoir en quelque sorte d'erreur et pour que la réussite de leur projet soit davantage optimale. Alors, autre détail relatif à l'étude de marché, on va toucher la troisième partie, c'est la partie relative à l'offre. Là, il s'agit de décrire la concurrence, la politique commerciale des concurrents ainsi que les réseaux de distribution. Combien, par exemple, des concurrents? Quels sont les plus puissants dans le secteur? Quels sont les concurrents qui sont directs ou alors indirects? Ou alors même, quels sont les futurs concurrents? Quels sont les prix qui sont pratiqués? Quelle est même la politique de communication des concurrents? Comment on pourra savoir toutes ces différentes informations sur le digital? Rappelez les outils que j'ai précisés, Google Alert et aussi Google, le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, vous permettez d'avoir la réponse à toutes ces différentes question. Commençons par parler de Google Alert. Peut-être beaucoup ont simplement entendu parler de Google Alert, mais ils n'ont jamais étudié. En fait, Google Alert, c'est un outil d'étude de marché qui permet de faire principalement de la veille concurrentielle. Alors, comment pouvez-vous faire de la veille concurrentielle avec Google Alert? Alors, j'aimerais savoir, parmi tous ceux qui sont connectés, qui a déjà utilisé Google Alert? Juste un oui, si vous avez déjà utilisé, juste un non, si vous n'avez pas encore utilisé. Là, par exemple, pour moi personnellement qui fais le live, je le dirais, ça permettra de savoir est-ce qu'il faut insister sur les détails. Alors, il faut simplement passer à l'action sur la façon d'utiliser Google Alert. Est-ce qu'il faut directement passer à la partie professionnelle pour ceux qui utilisent souvent? Alors, il faut expliquer pas à pas, étape par étape. J'aimerais savoir. Si oui, vous avez utilisé Google Alert, vous dites oui, déjà utilisé. Si vous n'avez pas encore utilisé, faites-nous savoir en disant simplement non, pas encore utilisé. Ça nous permettra de savoir justement.
comment est-ce qu'on pourra faire pour répondre à vos questions. Et si vous êtes en train de suivre cela en ce moment et que vous aimez, que vous appréciez, n'hésitez pas aussi de mettre un like. Hein. Là aussi, ça va certainement pouvoir nous encourager. Alors, sur quel mot est-ce que je vais faire de la veille concurrentielle? Par exemple, je peux utiliser le nom d'un concurrent ou alors même je peux utiliser juste comme ça, hein, le mot marketing digital. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire mention du thème marketing digital, Google va devoir m'avertir. Mais comment? J'ai saisi le mot sur lequel je vais créer la lettre. Vous avez vu? Et afficher les options. Je déroule l'option là. La fréquence à laquelle je vais être informé. Est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que c'est de façon automatique? Je coche les différents éléments, y compris même les langues. Chose intéressante ici, envoyer à, et c'est là où je pourrai ainsi mettre mon adresse Gmail. Et ensuite, je clique simplement sur créer la lettre. Et c'est comme ça que la lettre a été créée. C'est un exemple. On ne va pas créer la lettre en ce moment sur le mot marketing digital. C'était tout juste pour vous aider à comprendre comment on pourrait utiliser Google Alerts pour pouvoir faire une étude de marché digne de ce nom. C'était la troisième étape de votre étude du marché par rapport à l'offre et la question relative à la concurrence. Concurrence, que ce soit directe, que ce soit la concurrence indirecte et bien d'autres éléments encore. La dernière étape, notamment relative, c'est l'environnement pour créer le marché. L'analyse de l'environnement et de son influence sur le marché. Ça peut être vraiment intéressant, extrêmement important. Beaucoup connaissent simplement la méthode SWOT qui est utilisée pour pouvoir analyser l'entreprise, mettant en évidence les forces et les faiblesses. Mais lorsqu'on parle de l'environnement ici, pour utiliser la matrice, par exemple, PETEX. Alors, c'est quoi la matrice PESTEL? Tout simplement, comme son nom l'indique, P pour politique, E pour l'économie, S pour le social, T pour la technologie, E pour l'écologie, et le dernier L pour la législation. C'est extrêmement important de prendre en compte tous ces paramètres. Quel est, par exemple, au niveau de la politique? Est-ce que c'est stable sur le plan politique? Est-ce qu'il y a une obligation au niveau de la politique monétaire? L'économie est comment? Est-ce que c'est en croissance? Quel est le taux d'intérêt? Quel est le taux d'inflation? Sur le plan social, est-ce que c'est éducatif? Quel est le style de vie? La technologie, elle est comment? Voilà autant d'informations que vous deviez prendre en compte pour analyser l'environnement relatif à votre secteur d'activité, l'environnement dans lequel vous devrez devoir en quelque sorte pour développer. Le temps nous manquerait pour passer en revue tous ces différents éléments. Hein. Mais je vais juste aussi vous montrer quelques détails pour comment vous pouvez faire de l'analyse. Alors, vous servez également des réseaux sociaux. Par exemple, par le passé, on avait la possibilité de faire, comment on va dire ça, les études de marché avec des questionnaires qu'on rédigeait, on se baladait pour partager aux personnes. Ce n'est plus le cas sur le digital. Juste avec un compte LinkedIn, je peux en quelque sorte créer un sondage. Avec mon audience, par exemple, je clique sur « Créer un post » et je clique ici « Créer un sondage », tout simplement. Je mets les différentes indications. Je remplis, par exemple, ma question « Que trouvez-vous difficile dans le travail d'un community manager ?» Option 1, la recherche des idées, gérer les mauvais commentaires. Et juste après, j'ai défini en quelque sorte la durée. Est-ce que ça va durer 3 jours, mon sondage, 4 jours, 5 jours? Et juste après, quand toutes les informations sont remplies, vous vous êtes rendu compte, le bouton « Terminer » est activé. Et dès que je clique sur « Terminer », ce que LinkedIn fait, c'est qu'il balance mon sondage. Et après, je peux ainsi analyser mes résultats. Et là, j'aurais déjà fait mon étude de marché. Même chose également sur Facebook. Par le passé, vous pouvez créer en quelque sorte un sondage directement au travers de votre profil Facebook. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous pouvez créer un sondage au travers de votre page. Alors, je vais prendre par exemple la page d'Africa Builder Academy pour créer un sondage. Alors, comment vous faites? Vous partez tout simplement dans la partie relative au groupe. Vous avez créé des groupes. Et là, vous pouvez faire le sondage sur un groupe. Voilà un groupe, par exemple, qui a été créé par Africa Builder Academy ou alors le groupe dans lequel vous êtes présent. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Sondage ». Et là, vous balancez le sondage et Facebook va vous donner ainsi la possibilité de pouvoir analyser ces données. Voilà, c'était tout pour la partie relative à l'étude de marché. On veut se résumer, on veut une étude de marché en 4 étapes. La première étape de l'étude de marché, les 4 principales étapes, c'est le marché en lui-même. La deuxième partie principale de votre étude de marché, c'est la demande. La troisième partie, c'est l'offre.
Et enfin, la troisième partie, c'est l'environnement. On sait qu'il y a toujours des gens qui vont demander, mais comment on va faire? On veut un exemple palpable, on veut un exemple précis, un modèle qu'on pourra utiliser. Ah oui, c'est possible. Moi aussi, je sais ça. Donc, c'est pourquoi voilà un modèle, par exemple, d'étude de marché qui a été réalisé. Et on pourra ainsi le donner à les personnes qui pourront être intéressées. Tout simplement, si vous avez besoin de ce modèle, dites-nous en commentaire, j'ai besoin du modèle d'étude de marché. Et là, vous pourrez ainsi faire le copier-coller. En fait, c'est un exemple d'étude de marché hein, qui a été réalisé dans la perspective de l'ouverture d'un restaurant. Peut-être qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont besoin d'ouvrir un restaurant. Là, c'est simple. Voilà une étude de marché que vous pourrez simplement copier-coller. J'aimerais savoir en commentaire si vous avez besoin de l'étude de marché, si vous voulez ce modèle-ci. Alors, première Je étape sens pour rappeler. qu'il y a plein de gens vraiment tellement extraordinaires. Je sens qu'il y a plein de personnes qui vont t'écrire des messages vraiment pour se demander ce formulaire parce que c'est vraiment exceptionnel, je te dis vraiment. J'imagine combien de facilité, comment ça peut faciliter vraiment le travail de ceux qui aimeraient vraiment se lancer dans une activité, non? Ah ouais. Donc, on rappelle les étapes, le marché, les caractéristiques générales du marché de la restauration dans votre zone, les tendances, la croissance, les statistiques, le chiffre, délimitation de la zone de marché. On est dans le restaurant, ça va être dans quelle zone de façon précise? Quelle est la taille du marché? Voilà, par exemple, c'est un site qui peut vous aider. Hein. Insight, par exemple, Odile, en fonction de votre situation géographique, ils ont rassemblé tellement d'informations relatives aux statistiques pour chaque secteur d'activité. Vous pouvez ainsi obtenir ces informations-là directement en ligne. Potentiel de marché également en matière d'évolution et la segmentation du marché. Alors, consommation du midi pour les actifs, consommation du loisir, soir et week-end. Voilà une forme de segmentation du marché pour ce qui est de la restauration. Uniquement dans la partie relative au marché. Deuxième partie, la demande de la restauration en tête. Alors, les éléments, par exemple, du questionnaire que vous pourrez réaliser. On vous donne même un exemple des questions que vous pourrez formuler hein, pour ce qui est de la restauration. Qu'en est-il maintenant de la concurrence? Quels sont le nom des concurrents directs? On a dit les concurrents aussi indirects. La description. Quelle est la force et les faiblesses de vos différents concurrents? Même aussi les noms des futures hein, personnes, les futurs éléments qui peuvent avoir un impact considérable sur votre marché. Pas seulement la concurrence directe ou indirecte, mais également la concurrence future, les différents éléments qui peuvent influencer en quelque sorte le secteur d'activité. L'environnement, vous avez rappelé, on a parlé de la matrice PESTEL, les caractéristiques, notamment les critères politiques, économiques, socio-culturels, technologiques. Voilà un exemple précis en matière de description. Enfin, il y a la conclusion de la partie relative à l'étude de marché. Après l'étude de marché, vous pouvez passer à la prochaine étape, c'est l'élaboration ou la création de votre business plan. En fait, ce document qui pourra ainsi vous permettre d'obtenir le financement, que ce soit auprès des banques, que ce soit auprès des institutions, si vous en avez vraiment besoin d'obtenir du financement. Et là, maintenant, vous demandez, mais le business plan, c'est dur à réaliser. En fait, c'est très simple. Ce document également, c'est un modèle de rédaction, un business plan de qualité. Alors, qu'est-ce que sont les différents éléments qui se trouvent à l'intérieur? Il y a la présentation des porteurs de projet, c'est de mettre en lien vos CV, il y a la présentation du projet en lui-même, il y a la partie relative à l'étude de marché qui revient encore pour voir la faisabilité du projet, pour voir les caractéristiques de la demande, pour voir vraiment les caractéristiques de l'offre, de l'environnement, le chiffre d'affaires, sans pourtant oublier la partie relative à la stratégie marketing. Et l'une des parties également les plus importantes pour un business plan, c'est la partie des finances. On va voir comment on peut faire une exploitation prévisionnelle et même calculer également les seuils de rentabilité. Bref, tous ces différents éléments sont d'une importance capitale pour toute réussite d'un projet. Voilà en gros ce dont vous devez faire pour pouvoir étudier votre marché, afin de pouvoir lancer une activité ou alors pour pouvoir créer votre propre agence de marketing C'est digital. vraiment extraordinaire, Russell, vraiment. Ce sont des cours que normalement il faut payer vraiment dans les formations de marque, en communication, bien dans le digital pour voir vraiment ce genre de pépites que tu viens de donner. Je suis vraiment très heureux pour ceux qui sont connectés ou bien ceux qui vont voir le replay parce que ces pépites, si vous les appliquez, vous allez devenir vraiment des professionnels, vous allez vraiment obtenir beaucoup de résultats. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu viens de partager là.
Maintenant, c'est une demande, en fait, s'ils ont créé leur propre agence de marketing digital. Quels sont les différents services? Est-ce qu'il y a des services directs qu'ils peuvent proposer? Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question. Très bien, et j'ai la réponse non seulement, mais j'ai également des chiffres. Donc, préparez vos calculatrices, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous allons parler de quelques services, c'est juste quelques services, mais il y en a plusieurs. Donc, nous allons vous montrer quelques services qui peuvent vous aider déjà dès ceux qui vont faire, par exemple, nos formations, dès les premières semaines de formation, vous pouvez déjà faire tous ces services-là. Vous allez voir combien vous pouvez gagner. Donc, le premier service que je vous offre, hein, que vous pouvez faire dans le digital, c'est concevoir des stratégies digitales. Les stratégies digitales, c'est ce que je vais donner là, ce sont des stratégies, des documents où vous allez, des analyses, vous allez trouver l'audit de l'entreprise, vous allez faire le benchmark de l'entreprise, vous allez faire des propositions. Heureusement, pour ceux qui font des formations, vous avez déjà dans nos formations, nous avons déjà préparé ce document pour vous, nous vous enseignons comment on le fait pas à pas. Je suis ici dans un site qui s'appelle 5euros.com, un site de freelance, ceux qui se forment dans le digital viennent ici offrir leurs services. Regardez un peu cette personne offre des services de conception de stratégie digitale. Donc, ce n'est que ça. Imaginez, vous travaillez, vous avez fait la formation chez nous. Vous venez aussi, vous mettez votre annonce là, comme ça, pour faire concevoir juste des stratégies digitales. Alors, cette personne fait en moyenne, c'est-à-dire qu'il propose ses services en moyenne 100 euros. Donc, pour, n'est-ce pas, avoir ces services-là, en moyenne 100 euros. Nous allons voir plus ou moins combien on peut gagner. Regardez, ici, il fait en moyenne 100 euros. Vous voyez, il a déjà fait plus de 535 commandes. 535 commandes à moyenne 100 euros. Faisons, prenons nos calculatrices, regardons ensemble. Si on prend 535 fois 100 commandes, fois 100 le prix, le coût, n'est-ce pas? Regardez un peu combien cette personne a déjà gagné en euros. 53 500 euros fois 656 qui est en francs CFA. Regardez. 35 096 000. Juste pour un service, un document que nous préparons tout, nous vous donnons 35 millions de francs. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas quand je pense que beaucoup de vous passent des heures à travailler sous le patron qui vous menace et tout, alors que vous avez des services simples, vraiment, que vous pouvez mettre 35 millions. Ce n'est pas fini, hein. Continuons. Prenons le deuxième service. Comme j'ai dit, le seul service que vous venez de voir, nous avons le document déjà préparé pour ceux qui font nos formations que nous vous donnons. Déjà, vous pouvez, n'est-ce pas, l'appliquer. Deuxième chose ici, voilà un service très simple, concevoir des calendriers éditoriaux. Donc, vous avez des entreprises, ont des gens qui vont concevoir des calendriers. Vous n'allez pas l'appliquer, vous n'allez pas faire la partie opérationnelle. Vous devez juste concevoir le calendrier pour les publications, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous devez donner à la personne. Quand on parle de calendrier, je vous présente juste un exemple comme ça que nous avons conçu pour un de nos clients, comme ça. Et nous préparons aussi des questions que vous devez donner même déjà au client. Donc, vous avez déjà tout ça préparé pour vous dans nos formations. Regardez combien cette personne gagne, cette dame gagne avec ça. Regardez, elle a fait plus de 2430 commandes. Plus de 2400. Et vous voyez que par mois, elle dit que bon, un mois, c'est 160 euros. Prenons un mois, 160, prenons fois 2400. Voyons voir. 2400 fois 160. 38 340 000 euros fois 656, regardons, ça fait combien de millions? 251 millions qu'elle a gagné avec juste une petite ligne éditoriale. Est-ce que nous sommes en train de faire ça en direct pour que vous voyez, ce n'est pas des choses que nous inventons. Vous voyez en direct, vous voyez vraiment combien les personnes sont en train de gagner en ligne avec le digital. Avec des services, ce n'est pas qu'elle offre 10 services, elle offre juste une ligne éditoriale. Je crée la ligne et c'est l'entreprise qui applique. Vous voyez, plus de 251 millions qu'elle a déjà gagné seulement avec les lignes éditoriales. Peut-être elle propose d'autres services, mais seulement avec ça. Continuons, hein, nous allons voir d'autres choses que ici, la conception des calendriers. Certainement, vous avez vu sur certains sites, vous allez sur un site. Vous cliquez sur un lien, vous prenez, n'est-ce pas, le rendez-vous en ligne. On appelle ça des calendriers, n'est-ce pas, en ligne. Donc, Booking, Calendly sont n'est-ce pas, des services. Vous allez trouver, par exemple, cette personne utilise le Calendly pour créer, n'est-ce pas, les calendriers en ligne. Nous utilisons Booking qui est beaucoup plus simple. Nous allons vous montrer cet instrument beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, avec beaucoup d'intégrations que vous pouvez offrir à vos services. Alors, cette personne également gagne en moyenne, comme standard, 52 000. Et si vous regardez ici, si on prend juste 52 000 francs, imaginons que cette personne a seulement 10 clients.
par mois, quels qu'en soient 10 calendriers. Elle travaille, elle a peut-être les enfants, elle a la famille, elle n'a pas beaucoup de temps. Ou bien elle veut juste les entrées passives. Elle fait 520, elle fait juste 10 calendriers pour ses clients. Ça fait combien? 520 euros. Lorsque vous faites 520 euros, 520 euros fois 656, qui est le coût de l'euro maintenant par rapport au franc CFA, ça fait plus de 341 120 francs, 1 000 francs. Donc, vous avez plus de 300 000 francs par mois juste en concevant 10 calendriers par mois. Donc, imaginez que vous travaillez, vous ne voulez pas laisser votre travail, mais vous voulez quand même gagner des entrées passives pour gagner plus de 300 000 seulement en concevant des calendriers que nous vous enseignons dans les formations. Par exemple, dans la séance d'hier, dans la formation, j'ai montré comment le créer en 20 minutes rapidement. Donc, vous pouvez concevoir aussi ça rapidement. Vous avez des plus de 300 000 francs de mois comme ça rapidement. Donc, ça, c'était un des services. Passons à un autre service intéressant ici, le lead sourcing. Le lead sourcing, c'est un document comme celui-ci qui permet, n'est-ce pas, de faciliter la prospection, surtout aux commerciaux, aux responsables marketing, parce que c'est un document vraiment fondamental dans le digital. Vous devez noter votre client, les adresses et tout. Ça facilite, n'est-ce pas, le contact. Lorsque vous devez préparer des looms, par exemple, la prospection, vous êtes sûr qu'avec ce document, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, ça va arriver à vos clients. Donc, vous êtes sûr que vous pouvez signer votre contrat. Tout ça, nous enseignons comment le remplir, à quoi ça sert. Donc, c'est ça qu'on appelle le lead sourcing. Regardez combien cette personne gagne avec 215 euros moyenne et ils ont fait 300, plus de 353. Donc, 353, allons regarder. 353 fois 215. En euros, ça fait plus de 75 000 euros en francs CFA. Regardons ce que ça donne. Regardez. Combien? Plus de 49 millions 700 seulement avec le lead sourcing. Un document que nous, comme vous voyez, nous allons préparer déjà ça pour vous. Nous allons vous enseigner comment le remplir, son utilité. Et vous allez juste préparer ça, n'est-ce pas, pour les clients. Vous comprenez? Donc, ce sont des petits services comme ça. Beaucoup d'entre nous sommes en train de dormir, faisant des choses, mais sans savoir qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de services comme ça, simples, qui peuvent vraiment nous rapporter. Et heureusement, dans nos formations, les formations de l'Africa Build Role, nous enseignons tout cela. Pourquoi? Parce que nous aimerions que nos étudiants aient vraiment tout un bagage, plus de possibilités pour pouvoir gagner vraiment, avoir des entrées passives, n'est-ce pas, grâce au digital. Service très intéressant, la construction des tunnels de vente. Toutes les entreprises que vous pouvez imaginer dans le monde ont besoin de tunnels. La plupart des e-commerçants, les coachs, n'importe quelle entreprise, parce que les tunnels de vente sont, excusez-moi, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des séquences de sites comme ça. C'est un entonnoir dans lequel entre le client et cet entonnoir filtre le client et le client sort de prospect, il sort à client convaincu. C'est un truc très, très intéressant parce que ça automatise tout ton processus de vente. Tu ne peux pas t'en sortir en ligne vraiment de façon professionnelle si tu n'as pas vraiment ce genre d'outils. Tous les plus grands e-commerçants, surtout si tu veux gagner avec si tu veux gagner avec ton activité en ligne, surtout lorsque tu fais la vente, tu as besoin des tunnels. La plupart des entreprises en ont besoin. Donc ici, nous allons vous donner par exemple un outil dans lequel vous n'avez pas besoin de technique ou de quoi que ce soit. Nous allons vous donner un outil qui a déjà tous les tunnels, plus de 600 tunnels construits, des plus simples comme celui-ci, comme un lead magnet, juste pour prendre les contacts du client. Au plus compliqué avec des systèmes d'upsell, downsell qui vont vous permettre vraiment d'augmenter le panier moyen d'un client et de générer vraiment des millions. Donc, nous allons vous enseigner tout cela et vous montrer exactement comment ça fonctionne. En attendant, regardons combien cette personne gagne avec ce service de tunnel de vente. En moyenne, 600 euros et il a plus de 431. Donc, allons voir. On fait 600 fois 431. Nous voyons plus de 258 000 euros fois 656. Regardez bien. Plus de 169 millions avec les tunnels de vente. Je ne sais pas si vous imaginez. Plus de 169 millions avec les tunnels de vente que cette personne a déjà gagné. Je ne sais pas si vous voyez combien le digital est vraiment en train de rendre riches des personnes, changer la vie des personnes. Nous sommes assis là. On dort à la maison, on fait des travaux qui ne nous plaisent pas. On travaille des week-ends, on n'a pas, on ne voit presque pas nos enfants parce que nous sommes en train de travailler pour un travail que, bon, alors qu'on a la possibilité de changer aujourd'hui grâce au digital marketing, au social media marketing, c'est ce que nous vous proposons. Vous voyez, on est en train de montrer quelques services seulement qui vraiment sont en train de changer la vie des personnes. Passons en plus,
Regardons un dernier service, de celui de Chatbot Messenger, qui est beaucoup demandé, surtout en Afrique. Vous voyez, cette personne a moyenne 200 euros. Quand on parle de Chatbot Messenger, c'est quoi? Regardez un peu. Quand lorsque vous partez sur notre page, vous allez voir qu'il y a des systèmes automatisés. Ce n'est pas Messenger, c'est un système derrière, un robot qu'on a créé qui va répondre de façon automatique aux questions des personnes. Regardez un peu. Lorsque vous allez cliquer démarrer, vous allez voir normalement ce qui va se passer. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un chatbot messenger. Donc, vous avez programmé des messages. Ça va permettre d'interagir déjà avec le client. Ça permet de vous donner les points à l'algorithme. Ça permet de prendre les contacts du client. Ça vous permet même, on va vous montrer un outil qui vous permet même d'automatiser même des messages derrière. Donc, c'est très, très puissant. Et beaucoup d'entreprises en ont besoin. Pourtant, si vous allez regarder les pages des entreprises, vous allez voir que la plupart des entreprises n'en ont pas. Pour savoir qu'une entreprise n'a pas de chatbot messenger, c'est très facile. Vous allez, si quand vous cliquez sur message, quand vous ne voyez pas démarrer ici, ça veut dire que l'entreprise n'a pas le chatbot messenger. Ça veut dire que c'est un potentiel client. Exercez-vous, allez regarder les pages des grandes entreprises que vous connaissez, que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Vous allez voir que beaucoup n'en ont pas. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité pour vous. Combien on peut gagner avec ça? Regardez, cette personne gagne en moyenne 200. C'est un jeune Africain, hein, comme vous voyez même. Il a déjà fait plus de 430. Prenons 430 fois 200. Moyenne, 430 fois 200, ça fait plus de 96 000 fois 656. Voyez-vous-même, ça fait plus de 56 millions que cette personne gagne comme ça, seulement avec un chatbot messenger que je vais vous enseigner comment le créer en 15-20 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez. Vraiment, je ne sais pas, c'était juste quelques services, mais je pense que vous ne devez pas dormir cette nuit parce que si vous dormez normalement, on dit que si un projet ne vous fait pas manquer le sommeil, ça veut dire que ce n'est pas important. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez changer votre vie vraiment avec les services que nous venons de montrer. Prenez juste un, vous n'êtes pas obligé de prendre 10 services, 3, 4, 5. Prenez juste un service, venez faire la formation, nous allons vous enseigner. Après, vous choisissez un service, vous commencez juste avec un. Vous gagnez, vous avez vu, on gagne, c'est toujours en termes de millions, 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 millions. Vous commencez déjà par un, après vous passez au deuxième, vous passez au troisième. Ceux qui sont les plus braves, après la formation, on peut même déjà mettre deux, trois services. Mais je vous conseille, vous pouvez commencer avec un, avec deux, trois. Vous allez voir que vraiment, vous n'avez plus besoin, vous travaillez depuis le chez vous, vous décidez quand vous allez travailler. Voyez. Donc, c'est vraiment, le digital nous offre vraiment une opportunité de changer notre vie. Alors, dites-nous, est-ce que ces services-là vous ont plu? Est-ce qu'il y a un service en particulier qui vous intéresse? Dites-nous dans les commentaires que vous aimeriez vraiment apprendre le plus tôt possible un de ces services-là. Donc, nous avons parlé de stratégie digitale, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ligne éditoriale, nous avons parlé de conception, n'est-ce pas, des calendriers en ligne, nous avons parlé comme ça de lead sourcing, de génération de leads pour vos clients, nous avons parlé du tunnel de vente et nous avons parlé surtout du chatbot Messenger. Est-ce qu'un de ces services-là vous a plu? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que, Russell, est-ce qu'il y a des commentaires déjà, des questions? Jusqu'ici, beaucoup demandent l'étude de marché. Ils ont besoin du modèle, de l'exemple de l'étude de marché. J'imagine, beaucoup vont demander. C'est juste quelques briefs, hein, ce que Russell vous a montré là. Donc, parce qu'on approfondit encore plus, il y a des modèles qu'on va vous donner, des cas pratique qu'on va vous donner, n'est-ce pas, dans la formation. Alors, Monsieur Hussein, il y a une autre question intéressante ici. Quelqu'un demande effectivement une question très, très pertinente. Hein. Comment vraiment, est-ce qu'il y a un modèle pour assurer la réussite de son activité en ligne? Est-ce qu'il y a un modèle, une méthode? Donc là, je pense que tu vas les épater avec des méthodes que tu connais. Donc, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une méthode qui va permettre vraiment de transformer mon activité? Donc, je pense, donne-leur une des méthodes qui a changé la vie des startups vraiment en Europe durant le cours du temps. C'est une méthode, c'est vrai, elle est connue, mais pas de beaucoup. Même si elle est connue, elle n'est pas utilisée de la bonne des façons chez beaucoup d'entreprises. En fait, pour ne pas tirer peut-être dans tous les sens, je vais juste leur donner l'occasion de bénéficier de cette vidéo, une poussière de minutes seulement, qui est disponible dans notre plateforme e-learning pour tous les candidats de formation. Il s'agit de la méthode ART. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette méthode, faites-nous savoir en commentaire. Si vous avez déjà entendu parler de la méthode ART,
Dites-nous également en commentaire. Mais en attendant, je vous laisse d'abord écouter la vidéo et après, on verra de façon pratique comment on pourrait utiliser juste peut-être le premier élément pour analyser votre activité si vous en avez déjà. Écoutons d'abord la vidéo. Non, c'est pas ça, c'est la première vidéo plutôt. C'est une partie qui est extrêmement importante, vraiment très, très, très importante pour ce qui est de l'analyse de votre activité sur le digital. On va parler de la définition de l'importance de la méthode ART. C'est quoi la méthode ART? C'est même quoi ce framework? Quelle est son importance pour notre activité sur le digital? En quoi peut-elle être d'une extrême utilité pour quelqu'un qui a déjà une activité en ligne? Ou alors même vous voulez analyser le business de quelqu'un. Vous êtes une agence de marketing digital, quelqu'un a son activité, il vaudrait que vous l'analysiez pour savoir à quel niveau il y a problème, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça va extrêmement vous aider. Alors, cette image, c'est l'image de Dave McLeod qui est à l'origine, qui est responsable, qui est celui-là même qui a créé la méthode ART. C'est pourquoi vous voyez, il y a cet emoji de Canva où on le dit vraiment merci pour cet acronyme-là, pour ce framework. C'est d'une importance capitale pour analyser, pour scaler une activité, pour savoir quel est le levier qui ne marche pas et quelles sont les différentes étapes à pouvoir améliorer dans notre activité. C'est pourquoi il est extrêmement important pour vous de prêter attention à ce tutoriel. On va directement commencer avec le framework en lui-même, ART, on l'a dit, nous le devons à Dave McLeod. En fait, il s'agit d'un business angel américain qui est spécialisé dans le marketing et fondateur de l'incubateur 5 instances TETO. Parlant de l'acronyme, en fait, de la méthode ART, c'est 5 étapes qui modélisent le cycle de vie client ou alors l'utilisateur de votre business. Cette image, en fait, récapitule les différents éléments. Là, on a l'acquisition. Ici, on a l'activation. On a la rétention. Là, on a la recommandation. Certains diront le référal. Et enfin, on a le revenu. A-A-R-R-R. Extrêmement important de comprendre ces différentes notions. Parce qu'en réalité, ça va vraiment vous aider pour pouvoir améliorer votre activité. Alors, A, ça désigne quoi? Et comment est-ce qu'on peut en quelque sorte comprendre ces différents éléments? Signification de l'acronyme de la méthode A. A, acquisition. Comment est-ce que moi, j'attire des prospects pour mon produit ou alors mon site internet? Quels sont les différents moyens que j'utilise pour les attirer, ces prospects? L'activation, c'est même quoi au juste? Est-ce que l'utilisateur va avoir une première interaction avec mon produit ou va-t-il utiliser mon produit? C'est de ça qu'il est question dans l'activation. C'est pourquoi quand on va le voir dans la suite, l'activation peut se situer à plusieurs niveaux. Niveau premier d'activation, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Ça varie en fonction des différents secteurs d'activité. C'est pourquoi on va essayer dans l'aspect pratique de pouvoir généraliser la méthode ART parlant de son analyse pour que vous puissiez ainsi la représenter sur n'importe quel type de votre activité. Qu'en est-il maintenant de la rétention? Est-ce que l'utilisateur va revenir sur votre produit ou alors sur votre site internet? Et comment on fait pour que celui-ci puisse revenir pour effectuer même un achat? Qu'en est-il maintenant de la recommandation ou alors même du référent? Est-ce que vos utilisateurs sont suffisamment contents pour en parler autour de votre produit, de votre service? Et enfin, qu'en est-il du revenu? Tout le monde sait ce que c'est. À quel moment et comment gagnez-vous de l'argent et comment améliorer votre rentabilité? C'est vrai que dans beaucoup de services, dans beaucoup de cas également, le revenu, c'est la partie qui vous permet en quelque sorte de très rapidement analyser pour voir si vos différentes actions en matière de communication ou alors en matière de distribution, parlant de votre produit, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que ça marche? Mais vous verrez en réalité que sur le plan digital, c'est extrêmement différent. Soit par exemple, le revenu peut venir avant la partie de la recommandation pour certains qui ne vendent pas spécifiquement un bien ou un service tangible.
qui font dans le domaine des services gratuits. Ah oui, là aussi, c'est possible. Mais là, le niveau d'analyse du revenu est un peu beaucoup plus compliqué. On l'a dit, on va le voir pas à pas, étape par étape, pour un ensemble de modèles précis, pour que vous puissiez comprendre comment vous-même, vous puissiez analyser ça au travers de votre activité. Dans la suite du tutoriel, on va commencer à décortiquer ces différents éléments de ce framework. Je te laisse vraiment le commentaire de cette vidéo. Merci aussi d'arrêter de partager ton écran. Alors, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ça peut vous aider, ce modèle-là, le framework, méthode A, acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Ça peut vous aider? J'aimerais bien savoir ça sur une échelle de 1 à 10. Gardez aussi à l'esprit que ce n'est pas forcément dans l'ordre dans lequel le framework est examiné. Ce n'est pas forcément dans cet ordre-là que vous pourrez analyser une activité. Moi, personnellement, je commence toujours par le troisième élément, notamment la rétention. Si je n'ai pas un bon niveau de rétention, si le taux de rétention n'est pas activé, ça veut dire que les deux premiers éléments ne marchent pas. Il y a forcément un problème. Je ne commence pas forcément par le dernier élément. Je m'explique. Vous avez par exemple 200 prospects qui manifestent de l'intérêt par rapport à votre service, par rapport à votre produit, mais si les 200, le taux de rétention est faible, peut-être, disons, personne ne reste, personne n'achète. Le problème peut venir d'où? Peut-être le problème peut-être au niveau de la qualité des personnes que vous avez recueillies, que vous avez attirées. D'où il va falloir maintenant recommencer avec quoi? La première méthode, notamment la méthode d'acquisition. Quels sont les styles de personnes? Est-ce que j'ai bien défini mon buyer persona? Comment choisir un bon outil, canal d'acquisition? En termes simples, en fait, le canal d'acquisition, c'est le mode au travers lequel les gens entrent en contact de votre produit ou de votre service. Par quel moyen vous avez été connu sur le digital, par exemple? On est sur les réseaux sociaux. Quel est le réseau social qui a permis en quelque sorte de faire connaître vos produits aux gens? Est-ce que c'est Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bien d'autres encore? Est-ce que ce sont les moteurs de recherche? Vous pouvez le savoir. Notez ces trois critères qui vous permettent de déterminer un bon canal d'acquisition. Premier critère, c'est le coût. Quel est le coût d'acquisition par canal? Si vous avez lancé, par exemple, publicité, le tout par clic, c'est combien? Sur Facebook, c'est combien? Sur Google Ads, c'est combien? Sur YouTube, c'est combien? Voilà un facteur qui vous permet de bien choisir le canal d'acquisition. Deuxième facteur. Le temps mis pour acquérir un prospect. Quand je parle de temps mis, il faut que je m'explique en fait. Si c'est YouTube que vous avez choisi, le temps par exemple pour la conception d'une vidéo de YouTube, pour la planification, pour le montage, c'est vrai, c'est gratuit. Mais si ça vous prend énormément de temps pour acquérir ne serait-ce qu'un seul prospect, c'est un facteur à prendre en compte. Ou alors peut-être si vous choisissez un blog, un article de blog, rédiger, c'est facile. Mais si ça vous prend une journée pour la rédaction de ça, là aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Deuxième facteur, c'est le temps mis d'acquisition par canal. Et enfin, le troisième, c'est le volume d'acquisition. Peut-être vous demandez, mais est-ce que c'est possible de pouvoir examiner tous ces différents éléments? Savoir que tel canal, par exemple, m'a permis d'acquérir 10 contacts. Par exemple, tel autre élément, la chaîne YouTube, m'a permis, par exemple, d'obtenir 50 contacts, 50 prospects. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer comment beaucoup de personnes font en ce moment pour pouvoir analyser. Je suis sur mon compte Facebook personnel. Remarquez ce qui se passe. C'est ce monsieur qui a publié dans un groupe Community Manager. Il y a par exemple un certain nombre d'abonnés dans ce groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est ce lien-ci. Peut-être que vous avez déjà vu le lien là, dans beaucoup d'endroits. C'est un lien Bitly. Un lien qui a été réduit. Alors, dès que vous cliquez sur ce lien, ça va certainement vous rediriger vers un autre endroit. Et là, ça va marquer dans le canal de la personne, du moins dans cette plateforme Bitly, un prospect qui est atterri peut-être dans le site internet ou alors dans son tunnel de vente et il est venu de Facebook. Et après, ça va faire le point. Il aura donc cette analyse-là. Il saura par exemple que ma publicité que j'ai faite, mon post, ma publication, 15 personnes sont venues de Facebook, 10 personnes sont venues de YouTube. 30 autres personnes sur Instagram. Et là, ça va le permettre en quelque sorte de faire le bon choix du canal d'acquisition qui permet d'obtenir un grand nombre de volumes de prospects.
En fait, c'est juste un exemple simple. Pour ceux qui n'ont pas compris, on a dit la plateforme, c'est Bitly. Ou si vous la configurez bien, vous pouvez ainsi avoir l'analyse de tous ces différents données. Ça vous permettra de réduire le lien, si le lien d'une URL est très long, et aussi de pouvoir analyser le trafic au travers d'un lien par rapport à un canal d'acquisition choisi. Comment vous avez trouvé la méthode? Ah, on n'a pas le temps, hein, pour mettre en évidence tous les différents éléments, les aspects et tout le reste de façon vraiment détaillée. Mais je suis sûr certainement que pour ceux qui regardent cette vidéo, ce live en direct, vous avez certainement pu acquérir peut-être 5 années d'expérience en plus par rapport à votre connaissance au niveau du digital. Ou alors pour certains, ils sont certainement stupéfaits. Ou alors pour ceux qui allaient le replay par la suite, ils pourront trouver très utiles ces différentes données, ces différentes informations qui ne sont que quelques lieux, quelques pipettes par rapport à ce que vous allez trouver en quelque sorte dans le centre de formation, dans la plateforme Africa Builder Academy. Très bien, vraiment, Donc, j'aimerais vraiment savoir. Hein. c'est vraiment excellent. Vraiment. Cette méthode-là, j'ai juste un exemple, Airbnb, je pense que vous connaissez, c'est une société en Europe qui fait, n'est-ce pas, dans la location des maisons provisoires, la location provisoire. Donc, je pense que ce n'est qu'un exemple. Il y a plein de startups comme ça qui ont ce secret gardé, qui est cette méthode-là. Donc, si vous voulez vraiment créer une startup, vous lancer un entrepreneuriat de façon solide, je vous conseille vraiment d'approfondir cette méthode-là. Heureusement, vous avez dans notre plateforme de la ABA, nous avons déjà des vidéos prêtes, comme celles que nous avons montrées en exclusivité, prêtes déjà qui vont vous montrer en détail ce que c'est que la méthode, quels sont les exemples pratiques pour même que vous pouvez appliquer directement pour votre business. Vraiment, je vous assure, ce que vous venez de voir là, c'est quelque chose de niveau vraiment très, très, très élevé. Donc, si vous avez le temps, essayez d'approfondir, même en ligne, vous allez voir la méthode A, c'est très, très élevé. C'est un truc de haut niveau ici. Ce que nous venons de vous montrer là, ce que le collègue Rousseff vient de vous montrer. Donc, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez, si vous avez bien compris cette méthode, si vous l'avez déjà vue, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous l'avez déjà utilisée même, hein, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat. Donc, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Vous savez, une autre question intéressante, vu que le temps court, une autre personne demande. Quelles sont les erreurs à éviter quand on vient, n'est-ce pas, de se lancer en ligne? Parce que malheureusement, beaucoup se lancent en ligne, mais beaucoup ignorent. 95% de personnes échouent parce qu'ils Ouais. commettent des erreurs. Donc, je te laisse vraiment. Heureusement pour ceux qui nous suivent, comment faire pour éviter ces erreurs et de se retrouver parmi les 95% des personnes qui échouent en ligne? Ah ouais, vraiment, c'est très intéressant. On dit souvent que lorsqu'on se jette dans le grand bassin, sans apprendre à nager, on va commettre beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi il est important de pouvoir arrêter la main de ceux qui ont déjà de l'expérience pour ne pas tomber dans ces différentes erreurs, les débutants. Alors, quelles sont alors les différentes erreurs que beaucoup commettent lorsqu'ils se lancent dans le social media marketing? Je vais juste partager avec vous 5 erreurs, hein, vraiment fatales que beaucoup commettent lorsqu'ils se lancent dans le... Oui, en attendant que Russell, n'est-ce pas, se connecte, je vais partager mon écran pour continuer, n'est-ce pas, le live. Je vais vous montrer quelque chose vraiment de très, très intéressant. Tout à l'heure, je vais également vous montrer, beaucoup d'entre vous se demandent comment faire pour accéder, n'est-ce pas, à la plateforme. Je vais répondre, n'est-ce pas, à cette question tout à l'heure. Donc, en attendant que Russell se connecte, je vais continuer en vous montrant de façon pratique pour ceux qui sont connectés. Une chose, parlant des contacts des clients, comment est-ce que vous pouvez obtenir les contacts des clients? Parce que vous savez que dans la vente en ligne, comme j'ai toujours expliqué dans les formations, ce n'est pas le fait de vendre directement dès le début. Pour quelqu'un qui fait le digital marketing de façon élevée, de façon avancée, c'est que la première étape pour réussir ou bien pour pouvoir vraiment vendre, c'est d'abord d'obtenir le contact. Quand vous avez le contact, surtout le bon contact rapidement, alors là, vous avez gagné. Il y a plusieurs méthodes où vous pouvez aller faire les publicités. Or, au début, souvent, dépenser beaucoup d'argent dans la publicité, ce n'est pas facile.
Donc, je vais vous montrer une méthode très simple hein, qui va vous permettre, par exemple, d'obtenir des contacts de façon automatique avec la méthode, avec le growth hacking, qui est le futur du digital, qui permet d'accélérer la croissance. Ce sont des méthodes qui permettent, n'est-ce pas, de contourner, disons comme ça, le système et d'obtenir rapidement, n'est-ce pas, les contacts dans le cas précis. Donc, je vais vous montrer, il y a plein de méthodes que nous allons enseigner dans la formation. Et ici, je vais vous montrer juste une méthode. Donc, nous allons aller sur un groupe. Imaginons, moi, je veux les contacts des personnes qui font partie d'un groupe, choisissons n'importe lequel ici. Prenons par exemple le groupe de la diaspora, ou bien entrepreneur du Cameroun. Imaginons, j'ai besoin, n'est-ce pas, d'envoyer les messages à 53 000 personnes. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est très compliqué d'envoyer les messages à 53 000 personnes. C'est vraiment difficile. Et si vous allez sur Facebook payer. Disons qu'avec la publicité, vous allez dépenser vraiment des centaines d'euros juste pour toucher ces personnes-là et individuellement. Et ce n'est pas facile de toucher, de cibler sur Facebook que je veux juste ceux qui se trouvent dans tel groupe. C'est compliqué. Ce n'est pas évident. Donc, heureusement, grâce aux méthodes de growth hacking, on a cette possibilité, n'est-ce pas, de prendre exactement cette personne-là. Michel, j'ai anticipé juste la question suivante. Et donc, je vais te passer la parole tout à l'heure. Donc, voilà, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir toucher ces personnes-là rapidement. En quoi faisant? On va prendre le lien de cette page, de ce groupe-là. Nous allons aller dans un outil de Phantom Buster que j'enseigne, n'est-ce pas, dans les formations. Nous allons aller rapidement nous allons choisir une recette qui va nous permettre de scraper rapidement ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est une cible bien précise qui nous intéresse pour vendre nos produits, pour vendre nos formations, pour vendre, n'est-ce pas, nos services. On va la toucher avec 0 franc. Là, on voit comment on va le faire. Nous allons nous connecter parce qu'il faut se connecter avec télécharger l'extension. Ça se connecte automatiquement. Nous allons continuer ici. Nous allons coller le lien du groupe que nous venons de prendre. Nous continuons. Ici, nous allons demander juste 20 parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais on peut scraper 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 personnes comme nous voulons. Moi, je veux juste 20 pour le moment. Je continue. Je continue ici. Alors, je lance. Alors, regardez bien. Normalement, s'il n'y a pas de bug, allez voir comment vous allez, en peu de temps, avoir des contacts des potentiels clients vraiment en dépensant 0 franc. 0 franc. C'est que normalement, si vous allez payer sur Facebook, vous allez dépenser vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup même. Donc, et ce que je vous montre là, vous pouvez l'appliquer dans beaucoup de domaines. Vous voyez, c'est déjà en train de scraper les données. Cela s'est connecté au groupe Entrepreneurs du Cameroun. C'est en train de scraper les données. Ça, vous voyez, ça a déjà fini de scraper les 20 personnes. Allons regarder comment les 20 personnes se situent. On va prendre, copier ici. Je vais le mettre dans un document, Sheet New. Vous allez voir comment ça se présente. Vous allez voir, ce sont des méthodes comme ça qui vont vous permettre de devenir des experts vraiment dans votre domaine. Nous allons aller ici, Import Data. Nous allons utiliser la formule là pour coller. Et. OK, allons regarder les résultats des personnes. Vous voyez, avec les personnes qui sont dans ce groupe-là, nous avons le nom, nous avons Carole, Charles, nous avons les noms de ces personnes. Et nous pouvons maintenant, vu que nous avons ces personnes-là, de façon gratuite, nous pouvons maintenant encore utiliser un autre fantôme ici, qu'on appelle une autre recette, non, qu'on appelle ici, pour envoyer directement les messages à ces personnes de façon gratuite. Donc, sans aller passer par publicité, message de Facebook ou bien dépenser de l'argent, non, vous venez ici, même chose, vous allez utiliser une autre recette qu'on appelle Facebook Message Sender. Vous allez cliquer et envoyer les messages de façon automatique. Donc, ce sont des méthodes que nous enseignons. Nous allons vous enseigner comment scraper les données sur Instagram, sur LinkedIn, des données des CEO, des directeurs d'entreprise, que vous allez envoyer directement vos messages directement à ces personnes. Pour assurer la signature de vos contrats. Donc, c'est juste quelques méthodes que nous enseignons, n'est-ce pas, dans nos formations. Je ne sais pas, Russell, tu es connecté? Ouais. OK. Donc, continue, tu es en train de partager ton écran, j'imagine. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me donner la possibilité de partager mon écran? C'est OK. possible. OK, c'est bon maintenant.
Et juste en attendant, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires cette méthode de scrapping. Qu'est-ce que ça vous a plu? Vous l'avez déjà testé? Quels sont les résultats que vous avez eus? Donc, dites-nous dans les commentaires de 1 à 10 si ça vous a plu et est-ce que vous aimeriez, n'est-ce pas, en savoir plus? Donc, dites-nous dans les commentaires. Ah, que là maintenant c'est bon, on voit mon écran. OK, ça arrive. Oui, c'est bon. D'accord, super. Donc, beaucoup qui se lancent dans le social media marketing veulent absolument d'abord devenir expert avant de se lancer. C'est une erreur vraiment grave. Alors, si vous attendez de devenir expert avant de vous lancer, vous n'allez jamais rien faire. Donc, autant mieux la petite chose que vous connaissez, commencez déjà à mettre cela en application. C'était également, je veux tout avoir le matériel sophistiqué avant de commencer. Il veut avoir un site internet, il veut avoir l'appareil photo, il veut avoir des outils payants, etc. pour pouvoir se lancer dans le social media marketing. Certains décident que, bon, au départ, je vais commencer à fonctionner 360, alors qu'ils sont encore au début de l'activité, ils n'ont pas encore de l'expertise. Ils veulent faire la ligne éditoriale, ils veulent faire par exemple les lignes sourcing, ils veulent par exemple faire la lead generation. Il veut proposer la création de contenu, il veut faire par exemple l'ad marketing. Vraiment, il veut faire la totale. Alors qu'ils sont encore au début, ils n'ont pas encore assez d'expérience. Peut-être que c'est peut-être l'occasion maintenant de répondre aux commentaires d'un internaute qui demande en fait que, quelle est la méthode, le service qu'on peut lancer directement qui permet de trouver rapidement les clients. Alors, en termes simples, hein, si tu maîtrises la partie relative à la publicité sur le plan digital, pas le booster, hein, mais la publicité professionnelle, telle que les types de publicité comme la CDO, telle que l'A/B testing, publicité dynamique, vraiment, tu peux déjà avoir de nombreux contacts, de nombreuses personnes qui peuvent être intéressées par la publicité professionnelle. Et tu pourras leur fournir du résultat parce que s'ils ont du budget, automatiquement, les résultats seront là. Voilà un service que tu peux déjà commencer par lancer. Proposer aux entreprises la publicité professionnelle. Peut-être leur proposer la lead generation, tu leur fournis peut-être chaque jour, chaque semaine, une certaine liste de contacts qui pourront appeler des personnes qui sont déjà chaudes, qui ont montré de l'intérêt pour les services. Peut-être juste en passant pour reprendre la question de certains éléments. Certains, au début de l'activité, ils n'ont aucun système sur le plan automatique. Mais comment vous allez fonctionner? Vous avez peut-être 5, 6, 7, 10 pages réseaux sociaux que vous gérez, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Comment vous allez faire? En réalité, il existe des plateformes qui permettent de programmer à l'avance les différentes publications, même sur LinkedIn, hein, parce que ce n'est pas possible de programmer sur LinkedIn en ce moment. Et là, même lorsque vous dormez, vos publications sont en train de passer. Ça, ce sont les différents éléments techniques qu'on enseigne également, aux différents candidats dans nos formations, chaque cadre de l'académie. C'est également, ils ont commencé avec une niche. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas bien la niche. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et quelqu'un d'autre leur fait savoir qu'il a obtenu peut-être un contrat dans cette ville-là. Allez, automatiquement, ils changent de niche. Ça, c'est vraiment une erreur aussi à ne pas commettre. Alors, par exemple, plus vous passez le temps dans une niche, plus vous acquérez de l'expérience. Ce serait davantage efficace et utile pour vous. Et aussitôt les erreurs arrivent, beaucoup directement abandonnent aussitôt dès le début de leur activité. Chose aussi à ne surtout pas faire. Parce que plus vous durez dans la niche, plus vous passez le temps, vous acquérez en fait de l'expérience. Donc voilà en fait de nombreuses erreurs que beaucoup commettent lorsqu'ils viennent de commencer dans le domaine du marketing digital. Et ce sont les erreurs que nous ne voulons pas en fait, que vous commettiez lors du début de votre activité. Donc c'était ça, hein, ce OK, qui merci beaucoup, concerne Russell. l'erreur. Vraiment, je pense on a beaucoup pris du temps. Donc, nous allons vraiment, vu qu'il y a tellement de choses qu'on aimerait vous dire, malheureusement, le temps est vraiment court. Ce que nous allons faire maintenant, qui mieux que nos étudiants qui ont déjà testé le matériel, testé vraiment nos formations, ce que nous venons de voir là, on aimerait vraiment prendre le témoignage d'un de nos étudiants, Monsieur Rodrigue, s'il te plaît, tu peux te connecter. Quelqu'un qui est en train de faire des formations en cours, donc c'est une formation, la section de formation en cours. Donc nous allons juste avoir son avis. Il a déjà voir quelle est la différence entre la formation qu'il a fait avant, la formation qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce qu'il se trouve mieux? Donc rappelons que c'est quelqu'un qui est en train de faire la formation actuellement. Donc qui mieux que lui
pour témoigner vraiment de la véracité de ce que nous venons de dire. Donc, Monsieur Audi, vraiment, merci, merci encore beaucoup, vraiment, déjà pour ta disponibilité, vraiment, pour le fait que tu es là. Nous savons que tu es quelqu'un vraiment de très, très occupé, hein, tu as beaucoup d'engagement et tu es encore dans ton bureau, il faut le rappeler. Donc, vous allez voir qu'il est dans son bureau encore. Donc, il nous a fait cet honneur-là, ce privilège de rester encore avec nous jusqu'à ce moment. Donc, Monsieur Audi, juste rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, Monsieur Zidane. Bonsoir, Monsieur Russell et Monsieur Emmanuel. Bonsoir à toute l'équipe technique de ABA. Je suis Monsieur Dick, étudiant à ABA présentement. D'accord. La différence en ce qui concerne l'expérience entre les anciennes formations que j'ai eues et la formation que je suis présentement, la différence, c'est que dans les autres formations, il n'y a pas la formation n'est pas complète. Et puis, il y a un manque d'accompagnement absolu. C'est un peu ça en ce qui concerne les autres formations. Par contre, la formation que je suis actuellement, c'est que la queue, numéro un, la queue est très chaleureuse. Numéro deux, le contenu de la formation est très, très enrichi. Vraiment, c'est très enrichissant. Je crois que si vous faites un effort de vous engager, vraiment, vous ne serez pas déçu. Et numéro trois, le coût de la formation est très accessible. Je veux dire que c'est accessible à toutes les bourses. Je me souviens juste avant que je me connecte à ABA, pendant que je cherchais mes formations sur Internet, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me donner une formation rien que dans le closing. Le montant allait à plus de 1 million de francs CFA. Vraiment, c'était. Je sais, Voilà. je connais les personnes dont tu fais allusion. Donc, c'est le minimum, hein, monsieur. C'est le minimum parce que les formations, comme ce que nous venons de montrer, avec les modules que nous montrons au niveau européen, vous allez voir que c'est dans les 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc, minimum. C'est-à-dire que si vous voyez une formation avec le niveau où on parle de coworking, où on parle, n'est-ce pas, de SWOT, analyse SWOT, on parle de la méthode ARC, comme ce que nous présentons, pour devenir pas des communistes, c'est pas seulement des communistes, c'est pour devenir des experts, comme vous l'avez vu, c'est dans les 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros. Donc, vous avez vraiment raison. Donc, vraiment, merci déjà, hein, vraiment pour c'est-à-dire, comme vous l'avez, si j'ai bien compris, avant que vous ne connaissiez vraiment la ABA, vous avez déjà eu affaire à des formations, mais vous n'étiez pas Bien sûr. satisfait, c'est pas Pas très du bien. tout, pas du tout, pas du Pas tout. du tout, pour manque d'accompagnement, comme vous l'avez noté, Manque et surtout compte d'accompagnement. tenu de la formation, de ces formations-là, comment c'était? C'est vraiment riche. Le contenu de la formation est très, très riche. C'est un contenu 360. Vraiment, si vous entrez à l'intérieur, je crois que vous allez être satisfait, satisfait. Mais je veux aussi dire que les formateurs sont vraiment des gens très, très expérimentés. Ils savent s'adapter au niveau de compréhension de la personne. Ça veut dire que si votre compréhension est très élevée, ils savent monter avec vous. Si votre compréhension est moins élevée, ils savent descendre avec vous afin qu'ensemble aussi, vous puissiez monter. Donc, je crois que vraiment, vous ne serez pas déçus. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Comme tu as Oui. souligné le côté accompagnement, comme je disais tout à l'heure, voir des coachs, j'ai souligné tout à l'heure que les coachs, la plupart du temps, font des formations, mais ils ne font pas l'accompagnement parce que c'est la partie la plus difficile. Tout à Si fait. tu as 10, 20 étudiants qui doivent t'appeler, t'envoyer des trucs, mais juste avant de se connecter, aujourd'hui, hier, tout, toi, tu te rappelles, on s'écoute presque au quotidien. Hein. Quand tu es bloqué, tu nous envoies un message, Bien que ce soit sûr, moi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. À Donc, ce niveau, peu importe l'heure que vous avez besoin, peut-être vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin d'une directive, au niveau de votre travail, les coachs sont toujours disponibles. Ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel dans ABA. Ils sont très, très disponibles, c'est ça. merci vraiment beaucoup, mon frère Odé, pour ça. Donc, c'était un témoignage de quelqu'un, comme vous avez vu, qui est encore présent. Hein. Donc, c'est pas la formation n'est pas encore finie, mais vous voyez, Odé, il nous manque 1 ou 2 semaines de la formation, mais vous voyez déjà le contenu. C'est-à-dire que il a mis beaucoup l'accent sur le contenu et l'accompagnement. Vraiment, merci encore beaucoup vraiment pour ton temps, surtout que tu nous as dédié, et pour ton engagement, hein, parce que beaucoup font des formations, mais ils ne sont pas engagés. Mais j'apprécie beaucoup le fait que toi, tu es beaucoup engagé
et que tu es toujours constant, poser les questions. Je suis sûr que bientôt, ton premier, ton deuxième, ton troisième contrat vraiment va tomber. Et nous serons là pour fêter. Bientôt, le champagne va tomber. Le champagne va tomber. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. Russell, tu voulais ajouter quelque chose? Le privilège, vraiment, c'est moi qui vous remercie parce que c'est extra, extra, extraordinaire. Je suis, je vais dire comme on dit à l'église, je suis très béni avec, avec ce deux coach. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, ce que nous allons faire beaucoup, c'est certainement se demander comment faire pour accéder à la formation. J'ai vu quelques commentaires. Monsieur Robic, vous pouvez rester hein, sans problème. Nous allons partager l'écran maintenant pour montrer combien est-ce que vous pouvez accéder à la formation rapidement, vu que le temps est vraiment réduit. Alors, une formation de ce genre, on a parlé de growth hacking, on a parlé de art. Ce n'est pas pour devenir seulement community manager. C'est réductif. C'est pour devenir expert dans le social media. Donc, avec ça, vous allez commander les community managers. Ce n'est pas pour devenir le community manager. C'est réductif aujourd'hui. Le travail de community manager, tout le monde veut le faire, mais c'est, ne cherchez pas à devenir. Je pense que vous ne voulez pas devenir des sous-employés. Vous voulez devenir des chefs dans votre domaine, des responsables dans votre domaine. Donc, faites des formations dans ce genre. Cette formation, c'est une formation vraiment niveau master, comme vous avez vu là. Or, une formation de ce genre, comme vous pouvez imaginer, ça peut coûter vraiment énormément. Parce que c'est, comme vous voyez, c'est des résumés de plusieurs formations que nous aussi, nous avons fait d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Si vous allez regarder le coût d'une formation comme la nôtre, c'est dans les 3 000, 4 000, 5 000 euros. Mais ce n'est pas ce que nous allons vous faire payer pour le moment, heureusement. Donc, nous n'allons pas vous faire payer ça parce que nous savons que nous adressons comme aux personnes qui veulent se lancer, qui sont engagées, mais les moyens... pour le moment, ce n'est pas ça. Même si nous savons que vous allez gagner des contrats qui vont vous rapporter même 3-4 fois plus, comme vous avez vu, un seul service vous, de ligne éditoriale vous a rapporté. Nous avons vu dans les 50 millions, 40 millions, 96 millions, vous avez vu ça. Donc, 5 millions, c'est rien pour une formation, mais ce n'est pas ce que nous allons vous demander. On ne va pas vous demander la moitié, ni le tiers. Pour le moment, la formation vraiment est encore, j'ai dit pour le moment, parce que pour quelques jours encore. Donc, on a laissé encore, je crois, 3 ou 4 jours pour les personnes pour pouvoir profiter de cette offre que je vais vous montrer. La formation, écoutez bien, ce n'est pas 5 millions comme je vous ai montré. Pour le moment, ce n'est que 327 000 francs CFA. Pour le moment, non, 500 euros. Et pour les 10 premiers qui vont s'inscrire, on a encore donné, parce que beaucoup de la dernière fois n'ont pas eu de contact. Pour les 10 premiers, on a renouvelé l'offre. Soit vous allez avoir les 40%, pardon, pas les 40%, n'est-ce pas, de bonus, de réduction, pardon, ça fait seulement 196 500 francs. 196 500 francs pour une formation, comme vous avez vu, qui vous donne, vous allez avoir tous les services que vous avez vu, un seul service vous rapporte des millions et des millions. Mais la formation complète qui va vous donner, vous allez apprendre plus de 10 services à... seulement 196 500 francs. Je ne sais pas si vous imaginez. Et notez bien, ce n'est que uniquement pour l'Afrique pour le moment. Et ceux qui vont profiter de ce prix, ce n'est que les 10 premiers parce que nous ne prenons pas plusieurs personnes. On ne peut pas suivre tout le monde, c'est très compliqué. On préfère, nous, on mise beaucoup sur l'accompagnement, sur l'humain. Nous sommes très réguliers avec nos étudiants, donc on ne peut pas avoir trop de gens. Ça va être difficile pour nous. Donc, on va prendre juste les 10 premiers qui vont bénéficier, n'est-ce pas, de cette réduction-là. Le prix, là, ce n'est que pour l'Afrique parce que pour l'Europe, la diaspora, 1 000 euros. Et eux aussi, ils ont jusqu'aux 2-3 jours, ils ont la possibilité de profiter, n'est-ce pas, de cette réduction-là de 50%, c'est-à-dire 500 euros pour le moment. Donc, ce sont des prix qui vont changer d'un moment à l'autre. Donc, profitez-en, on a dit les 10 premiers. Et en plus de cette réduction, vous avez un bonus spécial que nous allons donner rapidement pour ceux qui vont s'inscrire. Donc, profitez, ça, on a dit juste les 10 premiers parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à la plateforme et vous avez toutes les vidéos à l'intérieur. Vous avez plus de 1 mois de formation. Comme on a dit, ce n'est pas des formations très longues. Donc, juste après la formation, vous avez la possibilité de commencer à gagner de l'argent 2 fois par semaine. Nous allons vous donner tous les files des biens, les résumés de formation, les PowerPoint. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai montré les services que vous pouvez gagner, on va vous donner tous les PowerPoints dont vous avez besoin pour pouvoir vous en sortir. Et on vous accompagne jusqu'à la garantie, jusqu'au premier client.
Donc, ça, c'est vraiment l'assurance que nous vous donnons. Pour ceux qui veulent bloquer parce qu'ils n'ont pas encore la totalité, la formation commence le 21 septembre, mais dès que vous payez, vous êtes directement dans la plateforme. Donc, vous commencez la formation. Si vous payez ce soir, vous êtes directement dans la plateforme. Vous commencez directement à profiter du contenu, à profiter de l'accompagnement. Le 21, c'est juste pour commencer déjà les séances ensemble et pour faire des exercices. Pratique, pratique, pratique. Nous faisons très peu de théorie, c'est juste toute la pratique. Donc, quand vous payez, vous avez la possibilité de payer deux fois, 100 000 francs fois 2, ou bien en trois tranches, 68 fois 3. Donc, vous voyez que ça vous pouvez, si vous payez rapidement, vous avez une fois, vous avez 796 000. Par contre, si vous payez en deux ou en trois fois, ça vous revient juste légèrement un peu supérieur pour le moment, pour les 10 premiers. Donc, profitez-en. Le numéro pour les contacts pour les paiements, vous avez toutes modalités de paiement, vous avez plusieurs modalités de paiement. Nous avons plusieurs reçus de paiement du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, vraiment tous les jours, qui s'inscrivent avec tout genre de paiement. Donc, ne vous inquiétez pas. Contactez-nous au numéro que vous voyez là. Nous serons prêts à répondre, n'est-ce pas? Ou bien, nous avons aussi ce numéro 0039-3208-3555-12. Donc, vous pouvez nous contacter aussi à ce numéro. Si tu peux mettre ton numéro également dans les commentaires, s'il te plaît. Donc, il y a aussi... Ok, bien reçu. Ok, nous allons aussi mettre les numéros de l'Afrique de telle manière que vous pouvez, n'est-ce pas, vous inscrire. Donc, rappelez-vous, hein, ce n'est que très peu d'inscrits que nous allons prendre parce que nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Comment nous avons fini cette formation? J'aime bien finir en vous rappelant que la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à le même résultat parce que si votre vie est satisfaisante, vous êtes content de votre travail, de votre vie, de continuer à travailler les week-ends et prendre le peu de salaire que vous voulez, continuer à faire la même chose. Mais si vous pensez que cette formation que nous venons de vous donner peut vraiment changer votre vie, vraiment passer rapidement à l'action le plus tôt possible, vous allez voir que dans un mois, deux mois, trois mois, votre vie ne sera plus la même. Votre vie professionnelle, vous aurez plus de temps pour passer avec votre famille. Vous pouvez décider d'où travailler, depuis le chez vous, travailler avec des clients de partout en Europe et signer des contrats de 1 000, 2 000, 3 000 euros. Donc, c'est ce que nous vous assurons. Lucel, un mot de fin. Juste pour remercier toutes les personnes qui ont été connectées. Et j'aimerais aussi savoir, on a parlé du sondage tout à l'heure. J'aimerais vraiment savoir pour tous ceux qui sont connectés, qui sont restés connectés jusqu'à la fin. Un petit sondage de toutes les différentes étapes qui ont été abordées, création d'entreprise, les différentes étapes pas à pas, l'étude de marché, la méthode A qui a été présentée, la description des différents services qu'on peut présenter dans le domaine des agences de marketing digital, et aussi la fin, la méthode de scrapping présentée par le coach Manuel, ainsi que la dernière partie, les déclarations de candidat actuel, M. Olivier Mayanga, ainsi qu'à la formation. De toutes ces différentes méthodes-là, quelle est la méthode ou alors la partie qui vous a vraiment marqué à telle enceinte que vous pouvez commencer par exploiter les résultats? On aimerait savoir. Mettez-le en commentaire. Et pour ceux qui ont demandé l'étude de marché, pour ceux qui ont demandé, par exemple, le modèle du business plan, je ne sais pas qui c'est, j'aimerais savoir. C'est aussi possible de laisser votre numéro. Là, je vais certainement vous l'envoyer par WhatsApp. On saura certainement que vous êtes vraiment intéressé par les différents modèles d'études de marché ainsi que le contenu de la formation qui était présenté à ce moment. Merci encore pour toute votre attention. Même si vous allez regarder le replay par la suite, n'hésitez pas aussi de commenter. On pourra certainement vous répondre et pourquoi pas aussi de vous l'envoyer l'étude de marché si vous êtes intéressé. Donc, c'était tout en fait les paroles de conclusion. OK. Donc, je répète les numéros pour réserver rapidement vos places. Il y a le 0039 32 08 35 55 12. Donc 0039 32 08 35 55 12. Donc si vous oubliez, vous allez revoir le replay qui sera disponible directement après et vous allez voir le numéro. Je viens d'envoyer le numéro, donc vous allez voir le numéro. Et je pense que Russell aussi a envoyé son numéro. Tu as déjà envoyé, n'est-ce pas, Russell? Déjà fait. OK. Donc, merci. Merci encore beaucoup. Merci surtout, M. Rodrigue, vraiment pour le temps, pour ta disponibilité. Et donc, nous vous remercions pour tous qui avez assisté à cette conférence. Et je vous souhaite, n'est-ce pas, une bonne soirée et à la prochaine fois. Donc, courez rapidement pour les inscriptions, les 10 premiers, et après, on s'arrête. Donc, bonne soirée à vous tous. Merci.